gars, je me suis amusé à filmer le vlog avec la caméra à 360 degrés. Les plans sont tellement lourds en termes de poids, le PC se chie dessus. Je peux pas sortir le vlog de vélo ce soir. Du coup, je te mets la vidéo où je parle, j'explique les trucs, c'est une petite vidéo détente. Et demain ou après-demain, je te tâche le vlog parce que c'est trop chaud sinon. Salut frérot. Bon, petite vidéo, te barre pas, ça va être un vlog. C'est juste, je fais une petite. J'ai même pas mon truc pour fixer sur le trépied, la caméra est un petit peu en équilibre. J'espère qu'elle va pas tomber. Mise au point avant de commencer pour annoncer quelques bails. Du coup, le retour des vidéos, au moins une vidéo par semaine. Donc, comme à l'ancienne, quoi, au moins vraiment faire des vidéos, des tutos, etc. Et il y a un projet cool qui arrive. Pour ceux qui ne suivent pas l'Instagram, Lens Garbage, je le mets là. Va le suivre. Va suivre l'Instagram parce que je mets quand il y a des trucs qui arrivent. Et depuis quelques temps, je tease un bail. Enfin, depuis quelques temps, ça fait même pas une semaine. Parce que j'ai eu un éclaircissement il y a peu de temps. Du coup, il y a un projet qui arrive. Je ne vais pas décrire la nature de celui-ci, mais ça va être sympa. Tout le monde sera à peu près content que ça sorte. C'est pas du tout quelque chose que vous attendiez de base, hein. À l'ancienne, c'est même pas un truc qu'on vous avait teasé. Mais c'est un truc qui sera d'utilité générale. Même sans regarder les vidéos, n'importe qui pourra se servir de cela. Non, mais en fait, ça va être trop rapide que... Enfin, je donne trop d'indices, bref, on s'en fout. Ça va sortir dans à peu près 2 semaines, je fais au mieux. Parce qu'en fait, il y a moins de vidéos, parce que maintenant, je travaille. En fait, petite mise au point de manière générale, tu vois. Pierre, il est plus vraiment dans les trucs de BMX, maintenant il travaille, il est plus vraiment dedans. Maxence, il roule encore, mais il est plus dans les Lens Garbage, parce que les Lens Garbage, bah, il se passait plus rien. Du coup, il a changé d'équipe. Mais il est toujours là, c'est toujours frérot, tu vois. Mais c'est juste que, genre, officiellement, et dans les contenus vidéo ou je sais pas quoi, voilà, c'est plus les Lens Garbage, mais il est toujours là, Maxence le sent. Florentin, mais il a moins le temps de rouler, pareil, il commence à bosser. John Francis a dit, il a disparu. On sait pas où il est, John Francis. John Francis a disparu. C'est une dinguerie. Il a envie, hein, mais il a disparu. Et Mathieu, ça fait longtemps qu'il a arrêté et tout. Maintenant, il fait du parcours et tout. J'espère que j'oubliais personne. Bah non, non. Il y a Maxence, Florentin, John Francis. Fabien, putain, Fabien a disparu aussi. De la circulation, c'est une dinguerie, quoi. Fabien a disparu. Ça fait longtemps, hein. C'est des trucs de ouf, mais ils sont en vie, ne vous inquiétez pas. Il y a Armand qui est là. Armand, c'est juste qu'en fait, vu qu'on n'est pas du tout dans la même ville, lui il est dans le sud. Moi j'alterne tout le temps Paris, Limoges, Bordeaux, ce qui fait que bah on n'a pas trop l'occasion de se voir. Mais il faut qu'on fasse des vidéos avec Armand, mais dans tous les cas il va m'aider sur le projet qui va sortir. Et Clément, il a tapé une mini disparition aussi. Et bref, voilà. Du coup, bref, chacun est parti de son côté. Moi-même, j'ai fait une petite disparition, tu vois, il n'y avait plus trop de vidéos. Moi, pour les autres, je vais pas dire spécialement ce qu'ils font, parce que c'est pas à moi de le dire, parce que c'est leur vie, quoi, tout simplement. Je vais pas être là en mode, alors lui, il veut machin et tout. Pour ma part, maintenant, je fais des clips de musique. Donc, pour ceux qui suivent pas du tout l'Instagram, va suivre mon Instagram perso. Si tu t'intéresses à ce qui se passe, tu verras. En fait, tu comprendras tout de suite pourquoi il n'y a plus rien. C'est parce que j'ai commencé à bosser. Je te fais vite fait une petite explication. Avant, je prenais des photos et tout. Voilà, je prenais des petites photos et tout, machin, principalement. Et je faisais de temps en temps des petits visuels sympas, tu vois. J'ai dépanné quelques potes qui font du rap à Limoges, voilà, pour un petit clip. Pas vraiment mon taf, tu vois, c'était juste comme ça. Mais moi, je faisais plus de la photo en même temps que j'étudiais. J'étudiais il y a 2 ans. Enfin, j'ai arrêté mes études en janvier, là. Du coup, théoriquement, je serai à ma 3e année post-bac, là. Et du coup, j'ai arrêté au milieu de la 2e. Et bref, ma première année, donc, c'est-à-dire quand je venais d'arriver à Bordeaux sur la chaîne, j'ai été étudiant. 2e année, j'ai commencé à faire quelques petits visuels un peu de rap, mais des petits trucs, tu vois, pendant l'été. Il y a une fille qui m'a contacté qui s'appelle Le Juice. Je suis pas obligé de mettre son blaze, bref, je le mettrai peut-être si j'ai pas la flemme. Qui m'a contacté pour faire un clip. J'avais pas trop l'habitude d'en faire, j'avais quelques petits clips pour des pannes, mais c'était pas du tout mon corps de métier. J'ai fait un clip, il était carré, je te mets un petit extrait là. T'es ma mon flow, comment je glow, je sais, je vais finir au top. T'es ma le drip, pourquoi tu flippes, j'arrête chargé comme un Glock. Tu vois mes grease, quand je fais cheese, on veut porter du vifi. Le juice est hot, il faut du ice, machin quand on voit les cops. 22, y'a les cops, plein de bœufs dans les poches. Voilà, et le clip était cool, du coup tous ses potes ils ont voulu des clips, et du coup je me suis mis à faire des clips, mec. De base j'étais pas censé faire ça spécialement, tu vois ce que je veux dire, si j'avais acheté une cam, c'était pour les vidéos et pour la photo ensuite. Je me suis mis à faire des clips, du coup après j'ai refait un deuxième clip avec elle qui est vraiment cool, je le mets là, un extrait. J'ai du mal à verser des larmes, t'es pas un voyou parce que tu vends de la cam. Leçon numéro 2. Surtout si toi-même tu consommes ta cam. Je le fais tranquille, le flow vient de Baby, petit Babiel. M'appelle pas ma chérie, je suis dans toutes les sauces, un peu comme le magie. Je propose deux exposes, et voici la magie. Oui.
Et bref, du coup, voilà, je me suis mis à faire des clips, mec, et c'est devenu mon taf. Du coup, j'ai arrêté les cours en janvier et je fais des clips. Je commence à bosser avec des mecs cool. Donc, c'est vraiment sympa. Je commence à bosser avec une boîte de prod, donc sur des plus gros projets. Donc, par exemple, enfin, je vais commencer avec la fille, le Jou. J'ai fait des trucs avec Lord Esperanza. Je sais pas si tu vois Lord Esperanza. Le peuple rafalera à la K47, tous les grands patrons du CAC 40. À l'autre bout du monde, certains sont déjà parents. J'essaye de voir plus loin que le rideau de l'apparence. Me censure, payez mes. J'ai fait un clip avec Kalash Criminel et GS Clan, il était en feat. Il est pas encore sorti, les gars, c'est une dinguerie ce clip. Il y a trop de bails qui font qu'il sort en retard. Ça fait presque un an qu'il a été filmé, hein. On va pas se le cacher, le clip est toujours pas sorti. J'ai fait le montage du dernier clip de Bosch. Enfin, non, là c'est plus le dernier. Il y a eu Slide, mais son clip Trixma, c'est moi qui fais le montage. Je suis pas trop chicha, plutôt chichon. Au volant du Golf 7R, je me fais pépon. Le mental en béton, je suis bresson. Elle aime ça. C'est inquiétant. Pour le mec Moa de MMZ. Enfin là, je commence à faire avec des mecs cool. Là, par exemple, jeudi, je vais aller prendre en photo. C'est la photo, du coup, ça compte pas vraiment. Mais du coup, sur un clip de Freeze Corleone, du coup, c'est lourd, tu vois. Maintenant, il y a tout le temps des trucs. Ce qui fait que bah, je suis tout le temps en train de pas aller par-ci, par-là. Je monte à Paris, je redescends et tout, machin. Tout le temps, je vagabonde, mec. Du coup, j'ai pas mon vélo avec moi, tu vois ce que je veux dire. J'ai même pas roulé une fois à Paris en BMX, alors que j'aimerais trop, tu vois ce que je veux dire. C'est le confinement. Là, je vais rouler seulement par en Limoges, c'est une zone de non-droit. On peut faire ça en secret, tu vois. Mais à Paris, c'est mort, mais j'ai même pas pu, enfin, je peux même pas le monter à Paris, tu vois, mon vélo. Trop de trucs qui font que c'est compliqué. Et les seuls moments où je rentre à Limoges, franchement, c'est quand c'est la pause, tu vois ce que je veux dire. C'est quand, par exemple, début septembre. Attends, est-ce que ça filme? J'ai un siège confortable, par contre, maintenant. Ou genre, par exemple, début septembre, j'étais monté pour un clip que je devais tourner le 2 septembre et je devais rentrer direct à Limoges. Mec, en fait, j'avais ce clip-là, ensuite, il y a un autre mec qui m'a appelé en mode « Ouais, dans 3 jours, il y a moins de faire le tournage et tout. » Et en fait, je suis resté genre 2 semaines à Paname, mec. Je suis rentré à Limoges après, j'étais mort. Je suis claqué, ce qui fait que quand je rentre à Limoges, le peu de fou, je rentre à Limoges, mec, je suis claqué au sol, tu vois. Je m'assois sur mon poste de travail, c'est le bordel, il y a plus du tout le gros PC à l'ancienne et tout machin. Et bref, du coup, j'ai envie de m'asseoir dans mon fauteuil confortable pour pouvoir bosser paisible et être détendu, tu vois. Je veux dire, mes bras ils sont fatigués d'avoir tourné et tout, je suis claqué, je vais pas arriver à me dire je vais aller faire des vidéos de BMX. Surtout que maintenant la vidéo c'est mon taf, tu vois, c'est plus en mode à l'ancienne où allez, de temps en temps on sort la caméra, je fais du montage, là maintenant c'est tout le temps, tu vois, la vidéo. Ce qui fait que quand je bosse pas, j'aime ce que je fais, je suis pas là en mode oh le travail, tu vois. Mais ce que je veux dire c'est que à l'ancienne j'ai pas tout le temps une cam, mais maintenant j'ai tout le temps la caméra entre les mains et je fais tout le temps du montage. Ce qui fait que pour mes petits moments de détente, tu vois, j'ai envie de faire du BMX tranquillou avec les potes en mode je vais à Lennon, c'est tranquille, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, j'ai pas envie d'être là en mode allez, je ressors la caméra, tu vois ce que je veux dire. J'imagine que tu comprends. Ce qui fait que du coup, bah, flemme au max, tu vois, j'étais là en mode vas-y, je rentre des clips, je quelques jours à Limoges, juste je fais un petit peu de vélo. Déjà, quand je suis à Paris et tout machin, j'ai pas le temps d'aller à la salle. Ce qui fait que je fais moins de sport, je rentre, je me dis soit je vais à la salle, je fais du BMX, du coup, des fois je vais à la salle, des fois je fais un peu de vélo et le peu de fou, je fais du vélo, gros. Est-ce que toi, t'aurais envie, comme ça, quand tu taffes tout le temps la vidéo, d'arriver, de dire bon, allez, je prends la caméra pour me filmer en train de me détendre, flemme, tu vois. J'imagine que tu comprends. Néanmoins, maintenant, je vais consacrer plus de temps aux vidéos de BMX, et je vais essayer de mieux équilibrer le tout, et pouvoir revenir dans le game des vidéos. En fait, le code Unleaded, il était plus dispo, il va re-être dispo quand le projet va sortir. Prépare-toi à rechanger de shop. Il y a le projet qui va sortir, ça va être le feu. Maintenant, tu sais pourquoi il y avait moins de vidéos, on va pouvoir aller rouler. Et voilà, j'espère que t'es content que les vidéos reviennent, mec. C'est parti pour le BMX.